Bienvenue à vous sur la chaîne Master Kenny Lusky. Je suis Master. Lui, c'est Kenny. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, on va expérimenter un truc. Comme vous le savez, quand il fait chaud, en général, en été principalement, les chiens font leur mieux. Quand ils sont un peu pollus, ça va, tu vois. Quand t'es lui là, quand t'as ça là, quand t'as ce poil de chien là, quand t'as ce husky poilu là, là t'as des poils partout. Souvent dans la rue, quand les gens rencontrent Kenny, ils me disent putain, c'est un husky, il est quand même vachement poilu. Vous êtes sûr que c'est pas un malamute? En gros, pour ceux qui savent pas, un malamute d'Alaska, c'est comme un husky sibérien, sauf que c'est deux fois plus gros, deux fois plus poilu et deux fois plus d'emmerde. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que pendant plusieurs jour, je vais brosser Kenny et on va voir à quel point il perd ses poils, parce que là on est bientôt en été. Là il fait un peu moins chaud récemment, mais les derniers jours il faisait hyper chaud, et de toute façon il continue à faire sa mue quand même. En gros, la mue, c'est quand les poils tombent pour laisser place aux nouveaux poils. Sauf que chez ce husky là, et chez beaucoup d'autres chiens, ça se fait extrêmement vite, et franchement des fois je me demande comment il fait pour encore avoir des poils sur lui tellement il tombe. Donc pendant plusieurs jours je vais brosser Kenny et on va voir le résultat à la fin. Je pense qu'on va faire ça pendant 3 ou 4 jours grand max. Si vous likez un maximum cette vidéo, peut-être qu'on fera ça pendant une semaine, un mois, un grand défi à la con comme ça où on ramasse tous ses poils et on les garde. Puis après on en fait un don. Y a personne qui voudra de ça. On en fera un don à la décharge. Donc on se retrouve tout de suite pour l'expérimentation sur Kenny les potes. Allez, c'est parti mon chien. Qu'est-ce que c'est que ça? La broche. Voilà, c'est bien, t'as vu, je t'en mets ton collier. C'est à qui ça? C'est à moi maintenant. Je vais mettre tous les poils de Kenny dans ce sac. Donne la patte si t'es prêt pour la vidéo. Oui, t'es prêt, let's go. Wow, commence pas toi. C'est le mec qui découvre qu'il est allergique aux poils de son chien en fait. Oh, toi aussi. Voilà, doucement comme ça, tu vois. Pas besoin de bouger comme un chien. La brosse, elle est déjà pleine les potes, hein. Une petite touffe, en vrai c'est une petite touffe. Qu'est-ce que tu fais avec ta tête là? Est-ce que tu crois que c'est vraiment le moment de se lécher l'anus là? Voilà, tout beau tout propre mon chien. J'ai à peine dans la première touffe que la deuxième elle est déjà là quoi. Oh t'es chiant à faire. Mais t'as cru que ta tête c'était un ressort ou quoi? T'arrêtes? Le pire c'est l'arrière de son corps je pense. Tout ce qui est au niveau de ses pattes arrière, sa queue, tout ça, il y a tellement de poils. Vraiment c'est la troisième touffe déjà. Putain j'en ai plein sur moi maintenant, mais c'est pas possible toi. Et j'ai fait qu'un seul côté pour l'instant, dites-vous bien que c'est qu'un seul côté. J'ai fait que son côté droit à lui. Qu'est-ce que tu fais là? Il me bave partout, ça sert à quoi de mettre ma main dans ta bouche? Putain mais déjà j'ai arrêté de compter les touffes. Matez-moi ça. Oh il se relève, il se lâche. Non non fais pas ça. Ah ah. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'es montré allongé sur mes pieds? Oh il est mignon. Allez encore une touffe de plus. Bon on va dire que le premier côté c'est déjà pas mal. Tu veux m'aider? Vas-y bah viens filmer parce que depuis tout à l'heure c'est le même angle. Depuis tout à l'heure je pense que les gens se font chier. Quand je suis pas là c'est moche. Oh, excuse-moi la meuf! Pourquoi c'est dégueulasse, André? De quoi? Ah, qui se lèche les couilles, oui, ouais, il me l'a fait plusieurs fois déjà. Ah, tous les poils que j'ai déjà amassés, regarde. Ça se voit ou pas? Ouais. Ça se voit nickel, hein? T'as vu tous les poils? Eh, se lever le matin pour tourner une vidéo de ce genre là, je vous jure, c'est pas une vie. Arrête! Pourquoi c'est vraiment dégueulasse? Mais pourquoi tu filmes ça toi aussi là? Mais non, mais t'es chiant, je te voulais de l'autre côté! Il s'allonge toujours du même côté, j'ai remarqué. T'as vu tous les poils qui volent et tout, c'est abusé ce chien. Ça va, au niveau de ses poils du dessus, Kenny ne perd pas trop. Enfin c'est pas qu'il ne perd pas trop, c'est qu'il en a beaucoup moins que tout sur tout le reste du corps en fait. C'est surtout au niveau de son cou et de son cul qui a énormément de poils. Regarde-moi ses poils, regarde. Regarde-moi la touffe que je viens d'arracher de sa jambe gauche, putain. Et le pire c'est que vous savez quoi? Demain il y aura tout autant de poils qui vont tomber quand je vais le rebrosser. À chaque fois que je le brosse, j'ai peur de lui couper une couille. Enfin sa tête là. Oh oh oh. Hein? Non? T'as construit une brosse à dents? Bon j'avoue qu'il y a une petite ressemblance vite fait mais... Ouais! Sur le coucou, t'aimes ça? Attends c'est dans l'autre sens que je dois brosser, pourquoi je brosse comme ça moi? Oui! Oh! Ah! Mon petit bébé! Oh il est trop mignon bordel! Sa queue elle est bizarre, il y a que des poils, il y a même pas d'os dedans j'ai l'impression, c'est abusé. Donc là vous voyez c'est juste le premier jour hein. Il y a 7 poils, ça va encore. Là je l'ai connu, on l'a connu plus mutatif on va dire. Jour numéro 2, c'est reparti pour un brossage. Alors regardez Kenny, son poil est nickel. Bon il y a encore des petits poils qui traînent un peu partout, mais normalement il est à peu près nickel. Donc là on le fait dans la cour parce que ça m'évite de déplacer les spotlights de ma chambre au salon, c'est casse-couille à force. Désolé il y aura un peu de bruit de voiture au fond, ne vous inquiétez pas, un jour on sera en campagne, il n'y aura pas de bruit, à part celui des vaches. C'était Jean-Michel Brutage à l'appareil. Couchez. Couchez des moins.
Alors lui, avant il avait le coucher militaire, maintenant il a le coucher hésitant. Ah, ton collier. Attends, je t'enlève ton collier. Parce que bon, je vais pas te brosser le collier avec, hein, non plus. Hein. Non. Non, c'est... Hé, n'essaie pas de récupérer tes poils, toi. Ah, mais vas-y, il repart sur un léchage de couilles, mais c'est abusé, ça. Non, tu joues pas avec la brosse. C'est pas un jouet. Hop là. Allez, c'est parti pour les touffes qui débarquent. Quand il fait vraiment chaud, ça part en couille, mais là ça va. Ça va, hein. Il y a quand même de la touffasse. La touffasse tout furious, hein. Fast and Furious Ski. Un jour je ferai un film où Kenny il sera au volant d'une voiture Fast and Furious Ski. Rien à foutre. T'es ma step-up. Et une touffe. Allez, c'est parti. Il est en kiff total ou c'est moi là? C'est un bon chien ça. C'est bien Kenny. Super. Ah bah dis donc, ça part vite, hein. Putain. Oh non, mais il est chiant à faire ça sérieusement, putain. En plus t'es dégueulasse, tu viens de chier à la promenade là, t'es dégueulasse toi. C'est bon le caca, hein Kenny. Ah ouais bah là. Lui si on l'empêchait pas, je suis sûr qu'il mangerait sa merde. Allez, une deuxième touffe, c'est parti. Ouais, quand je vous disais que c'était une machine à poils. Allez, ta barbe de Noski là. Il doit avoir une tête débile de ouf, non? Oh, c'était mon bras que t'as éternué là. Et une troisième touffe. Allez, c'est pareil, ça part vite aujourd'hui, hein. Autant hier, ça allait, tu vois, les touffes, elles étaient relativement assez espacées. Là, ça part en couille, là. Voilà. Oh bah oui, je t'ai tapé là-dedans. Bah oui, forcément, tu mets des mouvements aussi. Il a vu une touffe de voile partir, il était au taquet, là. Ouais, oui. Comme ça, mordiller la main de ton mémètre, hein. Bah, heureusement, je lui ai appris à pas mordiller au sang, parce que sinon, je serais dans la merde. Une autre touffe. On dirait la touffe du doc dans Retour vers le futur. Il y a une autre touffe, une. Donc, évidemment, je vous conseille de faire ça à l'extérieur, parce que même si vous brossez correctement, il y a énormément de poils dans l'air. Là, vous le voyez pas, hein. Moi, je vois des poils absolument partout dans l'air, là. Oups, oh merde, c'est ta bite. Oh, excuse-moi. Je lui ai un peu frotté la quéquette. Par contre, faudra m'expliquer pourquoi il a l'air de kiffer. L'intérieur des pattes. Oh là là, la touffe au niveau de son sgeg est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce quartier? Le dessous de son corps est vraiment hyper poilu, faut vraiment brosser ça très très bien parce que sinon ça traîne partout, c'est foireux. Ce chien il est vraiment pas complexe, hein. Tu lui donnes ta main, il joue avec. Un jour je vais l'emmener au Karcher comme ça, moi c'est fait, il va se faire démonter par les rouleaux. Je pensais qu'on en allait avoir moins de poils qu'hier, mais c'est exactement le même nombre, voire pire là. Voilà, c'est bien, tu sais qu'il faut lever ça, c'est bien. Allez, bye bye les poils morts. Et encore une touffe, allez, j'arrête de le compter. Je me rends. Oh putain, j'ai pas envie. Oh putain. Pire endroit pour brosser ça, bordel. Et le pire, c'est qu'il kiffe. Ça le vicelard de chien, va. Voilà, dernière touffe, les potes. On remet son collier correctement. C'est bien, mon chien. Oui, c'est bien. Yo. Voilà, c'est bien. C'était un bon brossage, hein. Oh, c'était un bon brossage, mon chien. Oh, t'es tout doux, on dirait une peluche. Ils sont tous là, là. Bon, du coup, la touffe a un peu doublé de volume. Par contre, j'ai été con de prendre un sac blanc sur des poils blancs. Mais il y a vraiment beaucoup plus que ce qu'on... Regarde, c'est abusé. Il y a beaucoup plus de poils que ce qu'on pense. Et putain, ça va être quoi le demain? Bordel de merde. Jour numéro 3. Alors, les deux premiers jours, il y avait déjà beaucoup de poils. On va s'arrêter sur ce jour-là. Bon, Kenny, il est toujours poilu. Qui c'est qui va se faire épiler? Non, pas ça. Qui c'est qui va se faire brosser? Ouais, il y a déjà des poils qui volent. C'est... Ah merde, ton collier. Putain, mais à chaque fois, j'ai oublié ça. Oui. Voilà, je t'enlève ton collier. C'est bien, c'est mieux, hein. Déjà, il est beaucoup plus calme que les autres jours. Je sais pas pourquoi les autres jours étaient chiants à se faire brosser alors que bon, il devrait avoir l'habitude depuis le temps. Oui, j'ai compris, tu veux le dessous, allez, oh là là. Lui, quand il veut le dessous, il met tout le dessous en l'air comme ça, là, il kiffe. Ah, mais ça part déjà en couille. Il a des longs poils à l'intérieur de la cuisse, hein. C'est sa tête d'extase, elle est géniale. Ah, c'est trop bien. Ah ouais. Ah ouais. Première touffe au bout de une minute. Là, normalement, il devrait y avoir un tout petit peu moins de poils. Mais après, bon, vu ce qui s'est passé hier, je ne sais guère. Viens là, mon chien, que je sois fier. Descends. Le poète Kevin. T'as vu ça? Descends, trop de cul. Et encore, j'ai de la chance, c'est juste un husky, hein. Les chiens à poils longs, j'imagine même pas la galère que ça doit être. Imaginez-vous brosser un pinceau. Bah, c'est exactement ce que je fais avec sa queue. Quand tu tiens ta queue pour moi? Vas-y. Deuxième touffe. C'est touffu tout ça. Touffu, touffu, tofu, viens ici. Bah, je sais, je te brosse pas à des endroits super cool. Ah, oh, c'est trop bon. T'aimes ça te faire masser par une brosse, hein. Waouh, cette touffe là, encore une autre touffe. Putain, ça part vite aujourd'hui. Bon alors, c'est qui le king? C'est qui kiffe là? Bon écoutez les potes, c'est la fin de ce brossage de ce troisième jour. On va pas faire plus parce que vous avez pu voir, vous avez pu le remarquer. Brosser ce chien, ça peut se faire à l'infini. Il y a encore des poils, des touffes de poils qui volent, vous voyez pas, mais c'est incroyable. Donc maintenant on va pouvoir enfin voir le résultat de 3 jours, uniquement 3 jours de brossage. Voici donc le résultat de 3 jours de brossage. Il y a vraiment énormément de poils les gars. Attendez, je vais essayer de tout vous sortir dans une touffe. J'ai tout compressé dans la main, mais regardez,
comment ça explose. On dirait, tu sais, les trucs de savon là dans les baignoires qu'on met et que ça gonfle de ouf. Je compresse un maximum pour éviter que justement toutes les poils s'envolent et qu'on se retrouve dans la merde. Mais genre, vous voyez vraiment, il y a énormément de poils quoi. On dirait de la barbe à papa. Tout ça, ça vient de toi. Hein. T'en as pas marre un peu? Arrêtez de pousser les poils. Oh merde, y a tout qui s'envole. Donc voilà, après, si vous voulez vous amuser, je sais pas, vous foutez tout ça dans un tissu, vous en faites une balle pour votre chien. Mais enfin, bon, là, je compresse à la mort et ça explose quand même dans la main. C'est vraiment de la merde. Vraiment, c'est énormément de poils quoi. Merde, la touffe. Voilà, à la poubelle. Parce que bon, c'est pas mon délire de garder des poils morts. Déjà que j'ai un chien qui est complètement mort là, hein. Où est mon mort? Où il est tout mort, mon chien? Bon les potes, vous avez pu voir qu'un chien, un husky sibérien comme lui, avec un minimum de poils, ça peut très vite partir en couille niveau poils. Tous ceux qui ont des chiens avec des poils longs, je vous plains. Donc on a répondu à la question, combien de poils on peut avoir. Je vais pas les compter un par un, mais vous avez pu voir que il y en avait quelques centaines de milliers. Donc voilà les potes, si jamais vous voulez qu'on fasse la même chose mais sur un plus grand espace, genre une semaine ou un mois, dites-le moi en commentaire. J'hésiterai pas à faire ce challenge parce que c'est assez facile à faire et pas trop chiant. En tout cas les amis, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de me follow sur les réseaux sociaux, ils s'affichent en haut à gauche de votre écran et les liens sont en description. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je vous sors une nouvelle vidéo. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et nous on se dit à bientôt pour les prochaines vidéos. Staring at the clouds, you know I hate this weather, but we can work it out. I swear I could do better if you let me. So we wait for things to change.